Buenos días y bienvenidos a todos en nuestra emisión para los estudiantes de fisioterapia. Hoy vamos a hablar de un tema que puede afectar a los niños y que se llama el pie sambo. ¿Qué es un pie sambo? También conocido como pie equinovaro, es una afectación congénita que afecta a los músculos y los huesos de los pies. Como lo podéis ver en la pantalla, en lugar de tener la forma típica de un pie normal, el pie sambo se orienta hacia abajo y gira hacia adentro. Existen tres tipos. El idiopático, ese es el que las cosas se desconocen y es la forma la más frecuente. El posicional, que es debido a una posición anormal dentro del útero de la madre. Y el último es el teratológico, que puede ser la manifestación de un desorden neuromuscular. Con respecto a la epidemiología, alrededor de 1 para 1000 bebés nace con un pie sambo. Y el pie sambo idiopático afecta con más frecuencia a los chicos y es bilateral en 50% de los casos. Sin embargo, como lo podéis ver en la pantalla sobre el artículo, hay algunos estudios que demuestran que no existe una predominancia de sexo. Seguimos y vamos a hablar de los signos y los síntomas, y por eso vamos a reunirnos con nuestra periodista Amanda, que ha investigado sobre el tema. Vale, vamos a seguir. Buenos días, Amanda. Buenos días, Celine. ¿Puedes hablarnos un poco de los signos y síntomas a nivel del pie sambo? Claro que sí. A ver, a nivel general, el pie sambo no provoca ni dolor ni molestia hasta que el bebé o el niño empezará a ponerse de pie o a caminar. Se identifica sobre 4 deformaciones típicas que son el equino, el varo, el aducto y el cabo. Vale, ¿y a nivel motor qué se puede encontrar en el pie sambo? A ver, a nivel motor el pie sambo debe estar muy rígido. La articulación no permite un movimiento normal. Lo que se ve es que cuando el bebé empezará a caminar va a tener una marcha muy insegura. Y si los pies se encuentran los dos afectados, harán que la marcha se haga en las puntas. Y si está muy torcido el pie, caminará sobre los bordes de los pies. Vale, vamos a hablar un poco de la evolución y del pronóstico. Y a nivel médico, ¿cómo es el pronóstico? A ver, el pronóstico suele ser más favorable si el manejo es precoz. Pero claro, sin tratamiento la corrección no puede ser espontánea. Vale, ¿y a nivel funcional? A ver, a nivel funcional es igual. Sin tratamiento no hay corrección espontánea. Pero sí que habrá repercusión al nivel funcional por la independencia del paciente. Vale, muchas gracias. El tratamiento tiene que empezar inmediatamente después del nacimiento. Para el tratamiento ortopédico es frecuente aplicar el método Ponseti. Algunos estudios que han comparado este método con otro tratamiento concluyen que es un método eficiente que disminuye el número de intervención de cirugía. Un otro estudio de revisión de 12 artículos sobre este método concluyen que es un tratamiento efectivo para corregir el pie sambo. La cirugía está indicada solo si la posición normal del pie no se ha conseguido con el método Ponseti u otros tratamientos conservadores hacia los 3 meses de edad. El objetivo de la operación es lograr la corrección total del pie para cuando el niño alcance la edad de la marcha. Después de la cirugía se coloca un yeso y una vez retirado, el niño tiene que usar plantillas o zapatos especiales durante 1 año como mínimo. El método Ponseti ha demostrado mucha eficacia en el manejo del pie sambo, con lo cual iremos en Francia a visitar un especialista del pie sambo. Entramos. Bonjour. Bonjour, enchantée, Amanda. Enchantée. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous sommes actuellement dans la clinique d'Olivier Guillou, spécialiste du pied beau, et nous aurions aimé avoir plus d'informations par rapport à notre investigation et surtout par rapport à la méthode Ponseti. Oui, alors la méthode Ponseti, c'est le gold standard des traitements pour le pied beau, donc c'est-à-dire que c'est la référence dans le domaine. Elle s'applique pour les pieds beaux de cause idiopathique, donc c'est-à-dire de cause méconnue. C'est des causes de pied beau dont on n'a pas l'explication. Et elle se décompose en 3 étapes. Un processus de 3 étapes.
D'accord, et ces trois étapes? Alors, la première étape, c'est une étape de correction manuelle, donc de thérapie manuelle du pied beau, donc dans son axe plus, dans l'axe plus physiologique. D'accord. On corrige voilà, à l'aide de mobilisation douce et précise le pied. À la suite, à la fin de la séance, on fixe le pied grâce à un plâtre qui va fixer la correction. Et voilà, il faut savoir aussi qu'elle s'applique de la quatrième semaine à la huitième semaine, cette étape. D'accord. Et dans certains cas, on pratique une ténotomie, donc c'est une section du tendon d'Achille. Par rapport au plâtre, alors j'ai ici trois plâtres. Donc à différents stades, donc là le premier plâtre au stade primitif de la maladie, donc on le voit bien en inversion. Deuxième plâtre en position neutre, donc qui correspond à une étape médiane de la maladie, donc plus centrale. Et on doit arriver normalement à la fin du traitement à une éversion du pied, donc on aura un plâtre en éversion, c'est-à-dire en rotation externe, abduction et flexion dorsale. Donc voilà pour les plâtres, pour l'évolution du traitement de la première étape. Alors la seconde étape s'organise autour d'une attelle qui s'appelle Dennis Brown. Donc c'est une attelle qui fixe la correction pour éviter des récidives en position inverse du pied beau. Et suivant l'âge, elle va être mise sur un enfant au moins 2 ans. Pour que la tête soit efficace, comme le montre l'article qui s'affiche à l'écran. D'accord. Voilà, au moins 2 ans. Et là, et se fait la dernière. Et la troisième étape est une étape de suivi. Donc, c'est-à-dire que là, on a fini le traitement, plus ou moins. On est dans le suivi du contrôle. Donc là, une à deux fois par an, l'enfant va venir se faire contrôler le pied par une équipe médicale. Et voilà, et voir le suivi jusqu'à l'âge de l'adolescence. Donc, c'est-à-dire 14 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons. Ça, c'est pour... jusqu'à la fin de la croissance osseuse. D'accord. Après ça, le traitement suivant la méthode Ponseti est normalement terminé. Donc après ces indications par rapport à la méthode Ponseti, j'imagine qu'il y a un traitement kiné adapté. Pouvez-vous nous en faire part? Oui, alors tout à fait. Alors il existe un traitement kiné, donc plus spécifique au métier, qui va se dérouler en plusieurs exercices, donc des mobilisations passives dans les axes contraires du pied beau. Voilà, des étirements passifs aussi pour flexibiliser toute la musculature, du renforcement musculaire, donc des muscles éverseurs du pied beau, et aussi de la contention, donc là, sous forme d'attelle, de plâtre ou de bandage. Il faut savoir aussi que ce traitement kiné peut être très efficace, et des études montrent qu'au bout d'un an de traitement kiné, on peut avoir des résultats très satisfaisants. Ok, c'est hyper encourageant en tout cas. Eh bien, merci de votre participation, Olivier. Merci à vous. Je vous remercie. Merci. Au revoir. El pie sambo es una deformación ortopédica frecuente. No tiene cura, pero no obstante, con un manejo precoz, un tratamiento adaptado y un control regular, la corrección del pie del niño le permitirá vivir como los demás. Muchas gracias por vuestra atención para este primer número. Esperamos que la video os haya gustado. Y os esperamos para la próxima.